Ah, je viens du Congo belge, tiens. Et puis mon tour arrive, j'entre là-dedans. Il y a un juriste devant moi, allez raconter votre histoire. Et je commence à raconter, vous allez trop vite. D'accord, je vais parler un peu plus lentement. Oui, mais vous donnez trop de détails. Eh, monsieur, si vous voulez, j'écris, je vous donne les papiers. Non, c'est moi qui écris. Allez, allez-y. Et vous écrivez. Et quand il a fini, ok, c'est bien, vous pouvez partir, on vous écrira. Et là, je sors. Il est déjà 17h. Hein? Et mon compatriote vient me voir. Il dit, ça a été. Oui, il m'a écouté, il a dit qu'ils vont m'écrire. Maintenant, je demande à mon compatriote, tu penses qu'ils vont m'écrire demain ou dans une semaine ou dans deux? Il dit quoi? J'ai dit, il m'a écouté, il a dit qu'ils vont m'écrire. Dans une semaine, dans deux ou dans trois jours? Il me dit, dans cinq ans, si tu as de la chance. J'ai dit, alors tu n'as pas compris ce que je te demande. Il dit, j'ai compris. Ce monsieur-là t'a écouté, il a pris des notes. Et tu me demandes quand il va te répondre. Je t'ai dit, dans cinq ans, si tu as de la chance. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, mais oui, tu as raconté une histoire, non? J'ai dit, oui, mais il faut le temps qu'il vérifie. Et pour ceux qui viennent du Congo, au moment où je suis arrivé, ça prenait à peu près cinq ans. J'ai attendu aussi, pas cinq ans, j'ai eu un peu plus de chance que les autres. Et à ce moment-là, où est-ce que j'habite? À Brun-le-Comte, dans une maison d'accueil où il n'y avait que des candidats réfugiés. Un jour, moi aussi, j'ai eu les papiers pour habiter chez vous. Oh, mais les jours où j'ai eu mes papiers, vous pensez que je suis content ces jours-là? Non, je me suis senti inquiet. Parce qu'alors, ça veut dire, j'ai la confirmation que je ne peux plus retourner dans mon pays. Un. De deux, j'habitais une maison d'accueil, n'est-ce pas, où il y a des candidats réfugiés. Mais quand on me donne mes papiers, je dois maintenant quitter cette maison d'accueil-là. Et je dois venir dans votre village. Je dois venir dans votre cité, sur la même rue que vous, et vous dire à vous ici présent, poussez-vous là. Moi aussi, j'arrive. Je viens habiter ici. Et vous me demandez, pour combien de temps? Non, je m'installe chez vous, nous allons vivre ensemble. Est-ce que nous sommes les bienvenus ou est-ce que nous sommes des intrus? La réponse, nous l'avons quand nous cherchons les maisons à louer. On a regardé dans le journal, on a vu un numéro et j'appelle, monsieur, oui, vous avez une maison? Oui, je peux venir visiter? Oui. Quel jour? Samedi 15h. Samedi 15h, j'arrive tout content. Je sonne, il ouvre. Oh, c'était un noir. Non, monsieur, il n'y a pas de maison ici. Mais c'est marqué appartement à louer. Non, attends, je vais enlever. Mais si je repasse là une semaine après, c'est encore appartement à louer. C'est de moi qu'on n'a pas voulu. Alors là, je me pose des questions. Puis qu'est-ce que tu fais ici? Dans mon pays, tout le monde aurait été content de m'avoir comme voisin. Là, fini, il n'y a plus personne qui veut m'avoir comme voisin. Ça fait mal, je vous assure. Alors moi, comme je suis têtu, un jour, il y a quelqu'un qui me refuse la maison, je sonne encore. Mais si vous n'avez pas compris, j'ai compris, mais je voudrais vous poser une question. Oui? J'ai dit, monsieur, pourquoi vous nous refusez les maisons? Il me dit, vous voulez que je vous le dise? J'ai dit, oui. C'est vous qui l'aurez voulu. Mais oui, allez-y, monsieur. Et il commence, vous les noirs. J'ai dit, oui, ça commence bien, hein, nous les noirs. Il dit, dès qu'on donne la maison à un, demain, il y en a 10 dedans. J'ai dit, c'est la solidarité africaine. Tiens, vous n'avez jamais entendu parler. Mais il dit, vous les noirs, faites trop de bruit. Le calme des gens, vous ne savez pas respecter. J'ai dit, c'est pas du bruit, c'est de l'animation. Et il ajoute, hein, vous les noirs, votre nourriture ne sent pas bon. J'ai dit, attendez monsieur, répétez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon et votre fromage d'herbe là, il sent bon? Et les Européens, vous êtes des malins vous, hein. Quand c'est la nourriture des autres, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. Hein? Il est fort, il ne sent pas mauvais. Il est fort.